Et on est toujours ensemble, et là on va parler d'un sujet un peu moins marrant, on va parler de Kevin Hart. Bon, avant de rentrer dans le détail, on remercie tous ceux qui sont venus à Oda Tour, au French Plug Tour, je sais pas comment on peut appeler ça, on lui a pas donné de nom. Ça s'est passé le week-end dernier, on est parti à Bruxelles, à Lille, à Nantes, à Le Mans et à Paname. Il y avait du monde, c'était vraiment lourd, c'était, il y aura un vlog qui arrivera dans la semaine. Ouais. Donc restez à l'affût, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Mettez la cloche pour être au courant de tout ce qui se passe. On vous le rappelle, le vendredi à 21h, c'est le French Plug Show. Et toute la semaine, il y a des vidéos d'actu comme ça qui sortent, qui vont sortir, qui peuvent sortir à midi, à 15h, à 18h, à 20h, à 23h. Et voilà, je peux pas dire toutes les heures, sinon ça va durer longtemps. Ça peut sortir à tout moment, quoi. Donc voilà, il y a le son Sasuke de Louis, qui est disponible. Le clip qui est dispo sur ma chaîne YouTube et le projet qui est dispo à Oda 2 sur Spotify, partout. Partout, Spotify, Napster, Deezer, Apple Music. Toutes les plateformes de streaming. Bon, alors là, on va parler de Kevin Hart. Y a un truc que tu veux dire, ta chaîne, non, pas ta chaîne. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, il y a des vidéos qui vont sortir en fin de semaine. Ok. Il y en a deux qui sortent en fin de semaine. Donc abonnez-vous, de toute façon, je reviendrai squatter tes vidéos pour leur rappeler ça, mais voilà. Vas-y, c'est parti, on parle de Kevin Hart. Turn up! Hey, c'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. Ah, c'est pour la culture, hey. Ah bon, c'est pour la culture, c'est pour la culture. Bon, alors faut savoir que nous, on a eu la news, on était sur la route dimanche. Je sais plus si on était entre Nantes et Le Mans, enfin bref, on était sur la route. Et on a eu la news de l'accident de voiture de Kevin Hart. Ça nous a frappé parce qu'en ce moment, on le sait, on perd souvent des légendes et tout. Et Kevin Hart, il fait clairement partie des mecs qui nous inspirent à 100%. À 100%. Un lifestyle incroyable, le mec qui vient de vraiment bas. Il a charbonné. Je l'ai connu avec Soul Plane. Il y a eu les Scary Movie, il y a eu tous les films, il y a eu tous ses spectacles. Il est vraiment inspirant. Il fait un peu tout. Il est sur Internet. Il a même un podcast radio. Il fait des films. Il fait des spectacles. Il fait des pubs. Il fait du sport. Le mec, il est motivant. Il voilà. Franchement, le seul truc de négatif qu'il y a eu sur Kevin Hart, c'était quand il a trompé sa mère. Et ça peut arriver à tous les négros. Ouais, enfin, bien sûr. Bibou, attention. Non, voilà. Moi, c'est mais... jamais. Voilà. Ça peut arriver. Bon, on l'a tous pardonné, elle lui l'a pardonné. Donc, de toute façon, on n'est pas là pour juger la vie personnelle des gens. Mais voilà, c'est un mec qui représente que du bonheur, qui est tout le temps joyeux et tout. Et bam, on apprend qu'il a un accident de voiture très très grave. On va mettre les photos. Ouais. Franchement, la voiture, elle est sortie de la route. Mmh. Elle est complètement défoncée. Et franchement, ça m'a fait penser à Paul Walker. Ça m'a fait penser à Paul Walker et je me suis dit, oh non, c'est chaud. Et j'ai mis un tweet. Pareil. J'ai juste mis un tweet, je m'en souviens, j'ai mis... Force à Kevin Hart. Ouais, je voulais pas mettre plus. Ouais. Je voulais pas me dire. Tu vois, parce que là, ça m'aurait touché. Ouais, de ouf. Tu vois, genre. Même moi, j'étais pas bien. Ouais, ça m'aurait touché. Parce j'étais pas bien. Il m'inspire vraiment, vraiment ouais. beaucoup, tu vois, pour le futur. Toi, tu le sais, ce qu'on est en train de préparer. Bien sûr. Les gens, ils savent pas encore. Ils savent pas, mais. Mais voilà, il y a des trucs grande qui inspiration. Arrivent. Et c'est une grande inspiration. Et alors, en plus, moi, ça m'a fait penser à Paul Walker. Ça m'a aussi fait penser à. C'était Offset. Offset, ouais. Ça m'a aussi fait penser avec à Offset. La Dodge verte, avec la Dodge verte. Et en fait, tu te rends compte que. Ça va trop vite. Ça va vraiment trop vite. Dans les deux sens, leurs voitures, elles vont trop vite. Elles vont trop vite. Et la vie, elle va trop vite. Et ça peut aller trop vite, tu vois. Donc, du coup, en plus, genre, c'est pas un petit accident, un petit truc, il a dû être opéré du dos. Ouais. Il y a eu beaucoup de choses et tout, on savait vraiment pas. Moi, je te mens pas. Genre, pour avoir conduit des grosses voitures là-bas, que ça soit des Lamborghini, il y avait la vidéo avec Swagman, que ça soit des Dodge Challenger ou même des gros bolides. J'ai conduit des bails, je me sentais comme Roddy Ricch avec un V12 avec un moteur V12 et tout. Je te promets, t'appuies un tout petit peu, tu entends le vrrr et la voiture, t'as l'impression qu'elle se lève et qu'elle accélère. Ouais, donc capté. Ça veut dire que si tu manipules pas bien ce genre de voiture, c'est moi fini. j'étais en sueur quand je conduisais ça. Si tu manipules pas bien, tu fais une accélération dans un virage ou un truc chelou, tu peux vite te retrouver en sortie de route. Ouais. Tu vois ? Ça va, ouais. Tu te rends pas compte à quel point ça va vite, c'est genre, ça fait vraiment cet effet-là. Genre, tu le sens, tu as l'impression que la voiture elle va s'envoler en fait. Et un mec qui ne sait pas manipuler ce genre de voiture, il peut vite faire des accidents. Et si tu regardes bien, pourquoi je dis que c'est similaire à Paul Walker, c'est que Paul Walker, c'était pas lui le chauffeur. Ouais. Et là, Kevin Hart, c'était pareil. Ouais. C'était pas lui le chauffeur. Et d'ailleurs, le chauffeur, j'ai retrouvé, c'était qui? Je le connaissais pas. Il s'appelait Jared Staten, il a 28 ans. Mm-hmm. Et apparemment, c'est un producteur-réalisateur. Il a fait les films Jungle Dead, 2. Red Letter, etc. Okay. Donc c'était un mec qui est dans le game. Qui est dans le game. Un pote à lui, etc. Et lui, ça va Lui, ça va apparemment, mais blessure grave aussi, tu vois. Kevin Hart s'est fait opérer du dos. Ouais. On sait pas trop si derrière il va pouvoir remarcher, remonter sur scène direct. Au moins, sa famille, ils ont dit qu'il est déjà debout.
il peut déjà se mettre debout. Mmh. Ils ont dit, tu vois. Donc ça, c'est déjà ouais, ça, c'est, tu c'est vois, positif. C'est que c'est déjà positif, tu vois. Et bon, lui, il conduisait une Plymouth Barracuda. Donc attends, je vais c'est te. À, c'est à l'ancienne. Ouais, ouais, c'est une voiture à l'ancienne. Mais tu connais à l'ancienne et qui va vite. Hein, ouais, donc, qui, ouais. Je vais te la montrer, ça donne quoi? Tu vois, c'est comme une voiture de collection. Tu, ouais. tu connais, ça, ça doit être à l'ancienne avec un moteur V12 actuel. Ouais, tu vois, moi, je connais la voiture, mais. J'ai capté, il a dû mettre un. Ouais. Il a dû booster le bail. Ouais, tu connais. Ça se voit que lui, il aime tout ce qui est classique et tout. Alors, moi, la seule chose que je peux dire, c'est que ce mec-là, c'est une inspiration, vraiment. Que je souhaite du bien à lui et toute sa famille. Et, et que. Et faites attention sur la route, vraiment. C'est mettez ça. Vos ceintures, c'est faites ça. Attention. N'accélérez pas. C'est ça. Bon, je vais pas te mentir, dernièrement j'ai conduit un petit Merco, j'ai fait des folies. Mais justement, pendant que je roulais, je bombardais de ouf. Hein. Ça se passait hier. Il a dit dernier moment. Allez, hier. Je bombardais de ouf et j'ai pensé au truc de Kevin Hart. J'ai dit non, vas-y. Ça a freiné. Ouais, j'ai freiné. Ouais. Franchement, parce que ça, quand ça va vite, tu kiffes. Ouais, c'est ça. Tu dis oh, wow, brrr. Après, tu dis ah non, je suis un ouf. Mais c'est ça, c'est même moi, tu me connais, j'aime la vitesse, tu vois. Et même en ce moment, c'est en mode régulateur de vitesse et tout, parce qu'il y a trop de choses qui se passent et ça peut aller trop vite. Maintenant, si on aime la vitesse, il faut qu'on ait, je sais pas, à Disney ou Astérix. On fait les manèges, voilà, ça va vite. Wow c'est ça, faites que ça, si vous voulez de la vitesse. Ou sinon, il y a même des stages de forme de sur les circuits, tu vois. Ah, mais je pense que nous, faut pas qu'on le fasse, tu vois. Non, stage sur les circuits, là. Non, mais par contre, j'ai toujours regardé les mecs de Formule 1, je les ai toujours respectés. Ils prennent des virages à 200, ouais, 230. Mais... Ah, chaud, mais t'as pas vu à chaque fois qu'il y a un accident après, ouais, mais ouais, c'est fini. Hein. Ouais, c'est fini. Moi, je m'en souviens, j'avais été traumatisé quand j'étais petit. Mon père, il kiffe la Formule 1. Et j'avais vu l'accident de Senna. Ouais, mais... Tu vois, je regardais, j'ai dit wow. Ouais, non, ça y est. Le mec, il est mort, quoi, direct. Ouais, hein. Mais gros. Ah, c'était terrible. Hein. Ah, Senna, ça m'avait traumatisé. J'étais jeune. Hein. Et je vais te dire un truc de ouf, hein. Gros. Les voitures de F1 pèsent rien du tout, frère. Ouais, ouais, j'avoue, carambolage où tu tombes. C'est fini, gros, c'est fini. Bah, elles sont obligées de peser rien pour aller plus vite. Pour aller plus vite, ouais, tu vois. C'est pour ça qu'elles ont une forme aplatie et tout, gros. Ouais. Ça, tu cognes, c'est terminé. C'est en tout cas, faites attention. Faites attention, ouais. C'était les deux sujets d'aujourd'hui, toujours à la cool, toujours le petit format à la cool, voilà. Dites à Fauché qui vient de la vidéo aussi, parce qu'il Oui. fait la star, là, Fauché. Envoie-lui un message, dites-lui d'arrêter de faire la star. Il veut pas se déplacer jusqu'à chez moi, il dit j'habite trop loin. Arrête de faire la star, Fauché, viens, mon Amène-toi, frère. Elle l'ombre, elle est là tous les jours. Tous les jours, gros. Attends, il appelle l'ombre. Shadow. Shadow. Shadow, man. Tu sais qui m'avait appelé l'ombre? Chiki Chiki, il est là. Ils m'ont dit dans Aouda Gento, dans le tour qu'on a fait là. Ils m'ont dit la date à Paris, les gens ils me voyaient pas. C'est vrai? Oh les bâtards! Parce que c'était la nuit, carré? Ouais! Oh les bâtards! Les gens ils sont mauvais! Vous étiez pas sympa là! Ouais, les gens ils sont mauvais! Bon, en tout cas, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne YouTube, abonnez-vous à mon Instagram, tout va se passer là-bas, vraiment. Abonnez-vous à toutes les chaînes de toute l'équipe, on est ensemble, turn up! C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture! C'est pour la culture, hey. Ah bon? C'est pour la culture! Ah c'est pour la culture, hey. C'est pour la culture.